Salut, salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une combinaison avec des bretelles. Vous aurez besoin d'un tissu qui fait 2 mètres, d'un pantalon, d'un mètre ruban, de ciseaux et d'épingles. C'est parti! Pliez votre tissu en deux et posez votre pantalon. À l'aide du mètre ruban, prenez 5 cm de marge. Ensuite, coupez votre tissu. Prenez le morceau du tissu que vous venez juste de couper, qui est le dos du pantalon. Vous pouvez les noter pour les différencier. Là, vous allez faire le devant du pantalon. Et vous allez replier la petite pointe qui se trouve au niveau des fesses. Si vous avez bien suivi, vous devez vous retrouver avec 4 morceaux de tissu, le devant et le dos. Assemblez le devant et le dos endroit contre endroit. Ensuite, vous allez assembler les deux côtés. Il y a un côté qui doit être à l'endroit, l'autre qui doit être à l'envers. Celui qui est à l'endroit, vous le mettez dans celui qui est à l'envers. Vous allez passer à la réalisation des pinces. Moi j'en ai mis devant et derrière le pantalon. Tracez un triangle isocèle de 7 cm de longueur et les deux côtés doivent faire 8 cm. Pour que ça soit plus joli, faites 2 pinces devant et 2 pinces derrière. Vous pouvez rajouter une ceinture. Moi, je voulais pas que le pantalon soit taille haute. Du coup, j'ai juste replié à 2 cm l'ourlet. Pour les bretelles, tracez 2 rectangles qui font 60 cm de longueur et 13 cm de largeur. Repliez-le endroit contre endroit. Pour finir, placez vos bretelles au niveau des pinces, devant et derrière.